Et donc, salut YouTube, bienvenue sur cette rediff de la ZRT 2018. Donc ça y est, on y est, on est vendredi soir, il est 18h53. Et c'est enfin la ZRT Cup. Donc je suis vraiment très content d'être là avec vous. Alors, comment dire? Vous n'entendrez pas le son du jeu. Salut YouTube. Vous n'entendrez pas le son du jeu puisque je joue avec deux PC. Enfin, comment dire, je joue et je stream. Ce soir, j'ai deux PC, quoi. Le premier PC, c'est mon PC portable pour jouer. Et grâce à un boîtier de capture, je récupère le flux que je stream avec le deuxième PC. Donc, un PC pour jouer, un PC pour stream. Bon, j'ai mis une image sur Twitter pour ceux qui veulent voir comment ça rend. Du coup, là, j'ai 4 écrans, c'est plutôt, plutôt sympa. Même si, voilà, c'est pas très important. Par contre, du coup, si je mets le son pour vous, je l'ai plus, moi. Je peux l'entendre avec ce casque là qui est connecté au PC fixe, mais c'est en décalé de 1 à 2 secondes à cause du boîtier de capture, on peut pas faire autrement. Et moi je peux pas jouer avec un son en décalé. Donc tant que je joue, je me mets le son à moi, je vais jouer avec ce casque là. Vous n'entendrez donc pas le son du jeu, de toute façon j'écoute des musiques copyrightées. Donc je vous ai mis une radio NCS, pour le son vous aurez que ça pour le moment. Après par contre... voilà, une fois que j'aurai terminé de jouer, j'écouterai les NCS avec vous et il y aura le son, vous l'aurez. Une fois que je casterai finalement, vous aurez le son. Et c'est parce que là, voilà, je m'en fiche d'avoir le son en décalé quand je caste. Donc voilà, pas de son tant que je joue, je suis désolé pour ça. Avant d'oublier, j'en profite pour remercier Nescabir, qui est joueur CSGO semi-professionnel, qui m'a prêté le boîtier de capture, c'est ce qui me permet de faire ça. Parce que voilà, sans lui, j'aurais beaucoup moins d'FPS puisque je ferais tout sur un PC. Là, ça me permet de jouer avec mes FPS pleins, c'est cool. Voilà, merci à tous donc de suivre. Je vais vous passer sur la scène Trackmania, voilà. Vous voyez mon jeu. Et j'espère que ça se passera bien. Allez, gogo les lazy, je serai sur le stream de Siri, mais je te garde... sur le côté, j'ai à tous les lazy. Merci beaucoup étendu. Je suis pas avec eux en vocal, je vais jouer tout seul pour bien me focus avec ma musique, etc. Je sais pas si je mettrai le micro, on verra. En tout cas, tant que je joue, voilà, je serai tout seul. Quand je commenterai, on verra, ce sera peut-être différent. En tout cas, voilà, il reste quelques minutes, hein, il reste 5 minutes. Je vais dire bonjour. Alors, certaines maps ont été linkées. Ensuite, vous imaginez bien qu'il y a pas mal de gens qui ont tenté de les deviner. Je vais pas en parler. On n'est pas là pour deviner ou non les maps. Pour ceux qui demandent mes préférés, tout d'abord Pédiluve. J'adore Pédiluve. Je suis très bon dessus, même si là j'ai l'impression qu'il y a du décalage. J'aime pas ça. Mais bon, on va jouer avec, hein. En tout cas, voilà, Pédiluve, je suis bon dessus. Après, il y a. Alors, Pathfinding West Taken qu'on est en train de jouer, je la déteste. Hein. On va pas se le mentir. On va pas se le cacher plutôt. Ou se mentir, mais pas se le mentir. voilà, je la déteste. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup Pédiluve. J'aime bien Irrévocable V2, même si je safe. J'aime bien Gratin Dauphinois, même si je safe. De toute façon, je vais pas chercher à cut. Je vais toujours safe, vous allez le voir. Peut-être sauf peut-être sur comment elle s'appelle, ZRTement. Non, c'est pas ZRTement. Sur celle qui est PF au start et après il faut se retourner et après il y a un gros cut. Celle-là, peut-être que je la jouerai à fond avec le cut parce qu'il est pas dur. Il est régu, il est... Voilà, le truc c'est la réception simplement. Donc bon, on verra bien. On verra bien. Mais ça s'annonce pas trop mal si... Enfin, ça dépendra vraiment des maps. Il y a des maps sur lesquelles j'ai train 10 minutes. Il y a des maps sur lesquelles j'ai train 1 heure. J'ai pas beaucoup de train malheureusement, je suis pas là pour ça. Je suis là, bon, je vais jouer évidemment, mais aussi... Et surtout, pour stream, les lazy une fois que moi je serai éliminé. Je suis là pour les casts. Donc voilà. J'espère que je me ferai pas éliminer tard, mais si je me fais éliminer, je suis là pour cast avant tout. Ce sera plus sympa pour vous, probablement, vu qu'il y aura le jeu. Donc voilà.
Enfin, le son du jeu, je veux dire. Excusez-moi. Là, je ne cut pas. Hein. Je vous ai dit, hein, je fais quasiment aucun cut. Je suis surtout là pour la régu avec safe. De toute façon, voilà, ça va safe pendant longtemps. Pendant plusieurs tours, on n'aura pas besoin de cut pour mettre des points. Donc, ça sert à rien de chercher à grid absolument. C'est ce que je considère perso. Good morning, Tom Pilainen. Welcome in the stream for the SRT Cup for this year. So, as I said, you don't have the sound of the game. This is normal. I can't do anything more. You have a non-copyright sound radio, and it's already good. So, I hope you will like this stream. Donc, Tom Pilainen, qui est quelqu'un de la team Lazy, qui joue sur la lineup League of Legends. Allez, il reste une minute, je vais poser ce casque, et puis bah, je vais probablement pas parler, je sais pas, en tout cas je vais éteindre les écrans, il y aura des modos sur le live, je le sais, et puis bah voilà, allez, c'est parti, dans quelques secondes, à plus tard, j'espère que vous allez aimer. Je pose le micro, c'est plus confortable pour moi, ça changera rien pour vous. De toute façon, vous allez vite voir si j'aime ou non la map, si je suis bon ou pas dessus. on va pas se mentir, vous allez vite le voir. Voilà. Salut Yoplay, comme je l'ai dit, je vais pas mettre le micro, je suis dans ma bulle un peu. En tout cas, salut à toi, et 19h01, on n'a pas lancé, j'attends le restart. Pendant ce temps-là, on va se mettre comme ça, ça vous permettra de m'entendre à peu près. Je pense que là, vous m'entendez pas trop mal, j'espère. Sinon rip. Donc bon, il y a un peu de monde, hein, comme vous voyez dans la line-up. Ah, ça y est, le match start. Je vous laisse. Ça va changer de map. Merci du soutien. J'éteins les écrans, je ne verrai pas le chat. Première map, Saucisport. Je l'aime pas trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais save de toute façon. Et c'est parti.
Irrévocable V2, map que j'aime bien, mais je ne cutterai pas, et quand même un peu random, on va pas se mentir. Donc je suis pas très régu, j'espère que ça va bien se passer. On verra ça. Personne ne cut. We'll be right back.
Ok, cette map là, je suis pas du tout régu en ce qui concerne cet endroit là. Sinon, j'y arrive pas mal, mais là, well, ça va être difficile, mais go. Là, de toute façon, je suis qualifié, hein, vu les points, je suis large. Mais je vais essayer d'être top 10, première page, ce serait sympa quand même. Quelques points de style, s'il vous plaît. Comme d'hab, un joueur warm-up. Je fais un bon warm-up, même si c'est la fin était pas top. Mais c'est bon. Allez, let's go. Dernière map du round 1. Ça m'est jamais arrivé d'habitude. Ça m'est jamais arrivé. Et là, ça m'arrive deux fois d'affilée. Deux fois. Putain, le karma, les gars, le karma.
Ok. Bon. Je rallume mes écrans. Je vérifie qu'on est toujours en live, même s'il n'y a pas de raison. On est toujours en live. Bon, du coup, je passe tranquille. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Mais par contre, voilà, c'est pas top. Parce que bah, j'ai fait, comment dire, j'ai fait 11 ou 12. Moi, je pensais faire un meilleur truc, quoi. Je voulais être top 10 pour être sur la première page, mais bon. C'est pas grave, en tout cas. Let's go tour 2. comme dit certains, comme dit dans le chat, l'honneur est sauf. On va voir ce qu'ils vont dire dans le chat pour l'heure. Et puis, en tout cas, ça s'est pas trop mal passé. J'ai pas eu du tout les pires maps. J'ai très 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 peur d'avoir Pathfinding Was Taken, ainsi que la map qui finit dans un panier au prochain round. Si ça, je les ai au prochain round, je suis dans la merde, je le dis clairement. Mais bon, on va voir. On va voir ça. En tout cas, je vais laisser YouTube ici. Parce que de toute façon, il n'y a pas de raison de continuer. Et puis, bah, Twitch, évidemment, on reste ensemble. Allez, à la prochaine, YouTube.